Accès libre et gratuit ce week-end au musée du Quai Branly avec ce slogan « L'ethnologie va vous surprendre ». Pour en parler avec nous, deux invités. D'abord Stéphane Martin, bonsoir. Bonsoir. Stéphane Martin, vous êtes le président du musée du Quai Branly. Vous êtes aussi un haut fonctionnaire, vous êtes passé par l'ENA. Vous êtes passionné par la culture et vous dirigez le Quai Branly depuis sa création. En face de vous, Annabelle Vallard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes anthropologue avec une spécialité originale. Vous êtes anthropologue ou ethnologue des textiles. Oui. Vous nous expliquerez donc. Et vous êtes aussi chercheur ou chercheuse, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on dise. Chercheureux. Chercheureux, oui, au laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains, c'est à l'Université Libre de Bruxelles. Alors Stéphane Martin, ma première question sera pour vous. Cet événement, ce week-end consacré à l'ethnologie, c'est plus qu'une exposition en réalité? Ah oui, c'est pas vraiment une exposition, c'est une sorte de fête. Vous savez, je sais pas si vous avez en tête la folle journée de Nantes, ce qui est la folle journée de Nantes pour la musique. Ouais. Et ben on a voulu faire un petit peu la même chose dans un même lieu pour l'ethnologie. Ouais, voilà, c'est montrer l'ethnologie est une science qui prend des formes qu'on n'imagine pas toujours. Elle produit aussi des textes absolument magnifiques. Ouais. Et c'est à la fois, je dirais, le fond et aussi la forme, c'est-à-dire la pure beauté de cette réflexion ethnologique, puis la clé qu'elle est comme ouverture sur le monde qu'on essaye de fêter. Et qu'est-ce que vous allez permettre au public de découvrir chez vous ce week-end? Alors, il se passe beaucoup de choses. D'abord, des lectures de textes de Lévi-Strauss par des membres de la Comédie française. Ouais. Des ateliers avec des experts, comme notre ami, qui viennent parler d'un certain nombre d'objets des collections. Mm-hmm. De grands ethnologues, de grands anthropologues, de grandes références de la discipline qui viennent parler de problèmes du monde contemporain à travers la grille de lecture qu'offre l'anthropologie. Et puis aussi, tout simplement, l'accès aux différentes collections, expositions du musée du Quai Branly, en particulier celles sur le tatouage, qui sont gratuites pendant ces deux jours. Voilà, ce sera ouvert à tout le monde et c'est gratuit, il faut absolument le rappeler. Alors, Annabelle Vallard, vous allez servir de guide au public, j'ai vu. Vous décryptez les objets, les vêtements exposés, c'est ça que vous allez faire? Alors, on est une petite équipe, ouais. On est à peu près 8 ce week-end. Donc, moi, j'ai choisi une jupe du Laos. Ouais. Et donc, le principe, c'est d'expliquer un peu l'histoire de la collecte de ces objets, ouais. Pourquoi ils ont atterri au musée. Et puis, au départ de la jupe, vous allez expliquer aux gens pourquoi elle est là, d'où son origine. Alors voilà, donc moi j'ai choisi une jupe du Laos, donc ouais. Vous allez un peu au-delà des apparences immédiatement esthétiques, ouais. Et s'intéresser à un peu ce qui lie ces objets du avec la société. Pour arriver à une réflexion générale sur la société laotienne. Oui, ouais. À partir d'une jupe voilà, qu'on voit actuellement à l'écran, mm-hmm. Enfin, nous. Mm-hmm. Donc à partir de cette jupe, en travaillant sur les matériaux qui ont été employés, en l'occurrence des matériaux précieux, ouais. Le lieu de collecte, une ancienne capitale royale, et puis une date de collecte, ainsi que des motifs. On arrive à voir comment est-ce que ça s'insère dans une société qui est la société de l'aristocratie laotienne, mm-hmm. En contexte colonial, puisqu'à l'époque, le pays était sous colonisation française. Je lisais en préparant l'émission que vous souhaitez cette année mettre en avant les jeunes ethnologues. L'ethnologie, ça attire encore les jeunes aujourd'hui? C'est une discipline qui attire les jeunes? Je crois. Alors, le Quai Branly, c'est à la fois un musée et un centre de recherche au sein duquel travaillent des ethnologues. C'est vrai que l'ethnologie, parmi les sciences sociales, elle est un petit peu coincée entre l'économie et d'autres systèmes explicatifs. Ouais. Et en même temps, évidemment, l'ethnologie telle qu'elle existait il y a 30 ans, c'est-à-dire à l'époque de Lévi-Strauss, quand on allait à la recherche des peuples purs, des peuples premiers, ouais. Des peuples non touchés, est quelque chose qui a complètement changé. Justement, j'allais vous demander, pour ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde, dites-nous en quelques mots, c'est quoi l'ethnologie en 2015? L'ethnologie, c'est une technique de déchiffrage des civilisations. L'idée, ouais. C'est à travers des exemples particuliers d'essayer de déterminer une grille de lecture qui nous permet de comprendre davantage nos sociétés. Mm-hmm. C'est d'une certaine façon, c'est un petit peu comme, je sais pas, moi, le marxisme ou la psychanalyse, une grille de lecture qui a l'ambition d'essayer de permettre de comprendre comment fonctionne l'humanité. Mmh. Alors on l'a fait pendant un certain temps en allant voir les chouars, en allant travailler par exemple des tribus qui étaient censées avoir conservé des caractères. Vous avez parlé de Lévi-Strauss, c'est ce qu'il faisait. Il allait sur voilà, le terrain. Mais on continue terrain, à le faire d'ailleurs. Mais vous pouvez ouais. faire la même chose en allant vivre dans un hôpital ouais. ou en suivant, par exemple, on a un chercheur au musée du Quai Branly qui travaille sur les pandémies, sur la grippe aviaire et sur les conséquences que ces maladies, par exemple, ont sur les sociétés, sur la manière dont elle transforme ouais. le tissu social. C'est ça l'ethnologie. Et c'est une discipline qui, non seulement est, à mon avis, extraordinairement passionnante et qui permet d'apprendre beaucoup sur ce que nous sommes, mais elle produit aussi beaucoup de beauté.
C'est-à-dire que je suis pas sûr que tous les grands livres d'économie soient en même temps des très grands textes littéraires, alors que il y a au sein de l'ethnologie, des livres ethnologiques, de très grands, de purs chefs-d'œuvre, à commencer par exemple par Tiste Tropique, donc qui est lu pendant tout le week-end par les comédiens français. Et l'ethnologie, en fait, touche tous les domaines de la société, du vivre ensemble. Ça peut être aussi bien les objets, ça peut être les vêtements, comme on a vu, ça peut être l'habitat, ça peut être les arts, la musique. Oui, puis c'est une manière aussi de mieux comprendre nos grands problèmes sociaux. Par exemple, quand il y a eu le débat sur le mariage pour tous, on a beaucoup discuté sur le caractère naturel, par exemple, de la sexualité ou social de la sexualité. Ce sont évidemment des réflexions qui sont très anciennes pour les ethnologues, qui sont au cœur de leur réflexion. Et ce qu'essaye de montrer cette fête de l'ethnologie, c'est que l'ethnologie peut être une manière de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En regardant des gens qui sont très éloignés de nous, on essaye de comprendre nos problèmes, notre présent et j'espère aussi parfois notre futur. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement dans l'ethnologie ? L'ethnologie, c'est tout ce qui vient d'être résumé là. C'est surtout une très grande ouverture sur le monde, une ouverture d'esprit nécessaire, parce qu'on doit être réflexif, en fait. C'est une aventure avant tout subjective d'un chercheur sur le terrain dans la longue durée. Mais ça, il faut le traduire par des textes scientifiques, donc les rendre objectivables, objectifs. Et donc, ça suppose de se détacher de ses préjugés, d'éviter ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Et c'est pour ça que c'est une discipline du contemporain et d'aujourd'hui. C'est ça, le musée du Quai Branly, c'est pas un musée du passé, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. On l'a souvent résumé à musée des arts premiers. C'est ça, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. En ce moment, on a par exemple une exposition qui s'appelle Tatoueur tatoué, qui parle du tatouage et qui est un bon exemple de l'anthropologie. C'est-à-dire qu'on y parle aussi bien des tatouages traditionnels que de ce qui se fait aujourd'hui pendant la Fashion Week, dans les défilés de mode, et pourquoi la moitié des mannequins qui défilent à Paris ont un tatouage quelque part. Donc le musée du Quai Branly est une fenêtre ouverte sur des sociétés qui ne sont pas les sociétés, disons, du CAC 40, qui ne sont pas les sociétés qui vivent à l'aune du système occidental dans lequel la France est inscrite. Donc c'est une porte ouverte, mais c'est absolument pas un musée du passé. Le passé est une passerelle qui nous conduit à travers le présent vers le futur. Je lisais sur le site internet, plus qu'un musée, le Quai Branly est une véritable cité culturelle. C'est ça que vous voulez faire avec des... Parce que là, vous avez des visites guidées, des ateliers, des fêtes, des événements. C'est tout sauf un musée, comme on peut le concevoir, un musée... À la mode ancienne. Alors, les musées à la mode ancienne, ça existe, Dieu merci, plus beaucoup, mais vous savez, il y a ce qui a été le Centre Pompidou en France a considérablement révolutionné le monde des musées. Je dirais que le musée du Quai Branly, quand il s'est ouvert en 2006, s'est beaucoup inspiré de ce modèle-là. Donc, il y a de la musique, il y a des spectacles, il y a de la théâtre, il y a des chercheurs qui travaillent sur place, et tout ça infuse et produit, j'espère, une fête à la fois de l'esprit et des yeux. C'est un endroit très gai, où on passe un très bon moment, où les enfants sont à l'aise, comme les adultes, et je pense qu'on a picoré dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine du spectacle, dans le domaine visuel, des choses au musée du Quai Branly. Alors cet événement avait déjà eu lieu, je crois, il y a 2 ans, en 2013. Oui, absolument. La première fois, on l'avait imaginé pour les 100 ans de Claude Lévi-Strauss. Et puis, on a décidé de le refaire, effectivement, de fêter l'ethnologie, encore une fois, un peu sur le modèle de la folle journée. Ça a eu un tel succès, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont pressées au musée du Quai Branly, qu'on a décidé de le faire tous les 2 ans. Et donc, ce week-end, jusqu'à dimanche 18h, le spectacle est en quelque sorte permanent dans toutes les salles et dans tous les espaces du Quai Branly. Je reviens à vous, Annabelle Vallard. Comment on se spécialise sur les textiles, les tissus de 2 ou 3 pays? Je vois aussi le Laos, la Thaïlande, je crois, aussi. Oui, tout à fait. Asiatique, c'est quand même très pointu comme angle de recherche. Ben, le tissu, vous en avez tous, on en porte tous. Et, moi, ce qui m'intéresse, c'est une approche sur les sens aussi, parce qu'on a tendance à parler d'iconographie, de symbolique, etc. Mais c'est avant tout quelque chose qu'on porte. Le tissu, c'est quelque chose qu'on porte sur soi. Et donc, ces relations qu'on a très intimes avec ces matériaux, ces soies, ces cotons, ces synthétiques, etc. Et c'est aussi cette relation, essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment on crée un textile, comment on l'échange, puisqu'on a parlé d'économie tout à l'heure en disant que les textes d'économie étaient un peu, des fois... on a aussi de l'anthropologie économique et comprendre quels sont les autres systèmes d'économie permet aussi de nous renseigner
et peut-être de proposer des clés pour nos propres sociétés aujourd'hui. Le vêtement, c'est l'objet de vos recherches en ce moment ? Alors en ce moment, j'ai deux objets, les fils de soie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique un fil de soie. Encore plus précis. Et ça m'amène par exemple dans les laboratoires de génie génétique japonais où on crée des super vers à soie. Et puis un autre projet sur les pierres précieuses. Et la Thaïlande est une des capitales mondiales d'échanges et de ventes de pierres précieuses et notamment des corail. Mais pas la pierre précieuse dans les vêtements, ça n'a rien à voir. La pierre précieuse en tant que telle. La pierre précieuse en tant que bijou, en tant que pierre qu'on va chercher à la mine et qu'on travaille le long de filières. Donc ça engage des questions de technique, aujourd'hui de nouvelles technologies. Quelques spécialités de l'éthologie moderne. Peut-être que ça donnera des idées à ceux qui nous regardent. Tout est ouvert à l'éthologie, ça qui est intéressant. C'est un mode de connaissance plus qu'un objet, donc tout est ouvert. Stéphane Martin, vous avez regagné des visiteurs, le Quai Branly en 2014. Il y avait eu un petit affaiblissement, un petit recul à début 2012-2013, et là, ça s'est reparti. Oui, on est toujours resté, pour un musée nouveau, en général, quand un musée ouvre après un ou deux ans, il y a une baisse de fréquentation. Ouais. Ça ne s'est pas vraiment produit à Branly. On est resté toujours entre 1,2 million et 1,5 million visiteurs, ce qui est énorme par rapport à nos concurrents ou amis étrangers. C'est beaucoup de monde pour un musée d'anthropologie. Je pense que c'est le musée d'anthropologie le plus fréquenté au monde. En 2014, 1,5 million, je crois que c'est comme ça. Objectif 2015. 1,5 million. L'important, c'est pas le nombre de visiteurs, c'est la satisfaction et le bonheur qu'on peut leur donner. Et on a des visiteurs qui, je crois, repartent contents. Donc on va essayer de continuer. Mais peut-être que certains le découvriront ce week-end. En tout cas, je les encourage à y aller. L'ethnologie va vous surprendre. C'est le titre de cet événement. Merci à tous les deux. Merci Stéphane Martin. Merci à vous. Merci Annabelle Vallard. Merci.